L'Institut thématique interdisciplinaire Hermia++ regroupe des mathématiciens, des informaticiens et des astrophysiciens et promeut la recherche interdisciplinaire en mathématiques et ses applications. Mon sujet de thèse s'inscrit dans un projet pour comprendre le rôle de l'apoptose dans la fluidité du tissu cellulaire. Et donc moi, mon rôle en maths, c'est donc de créer un algorithme qui nous génère des cellules et après pouvoir utiliser ces cellules comme des vraies cellules pour pouvoir faire des expériences. Le DU apporte un complément au master, dans le sens où dans le cadre du master, on voit beaucoup de notions, mais dans un cadre assez rigide parce qu'académique. Et dans le DU, au contraire, on voit aussi énormément de notions, mais on les voit directement dans un cadre où les chercheurs les utilisent dans leurs propres recherches. Aujourd'hui, à notre disposition, les données du télescope Gaia, qui a mesuré la position des milliards d'étoiles, mais qui a aussi mesuré d'une façon complète la vitesse des millions de ces étoiles. Donc on a aujourd'hui un moyen de caractériser en trois dimensions les vitesses des étoiles dans notre galaxie, donc une sorte de cartographie des vitesses des étoiles dans notre galaxie. Et tout ça, ça pose déjà un défi, notamment informatique, parce qu'on parle des millions de données qui suivent des lois physiques compliquées. Donc pour faire des modèles sur ça, ça demande un traitement très avancé au niveau informatique, mais aussi au niveau mathématique. Donc, ce master permet de regrouper tous ces étudiants dans une formation où ils peuvent se rencontrer, échanger et mettre en commun leurs différentes connaissances. Je dirais que chacun reste un peu dans son domaine, mais qu'il y a une collaboration, c'est-à-dire que ce n'est pas avec 2 heures par semaine qu'on va apprendre l'astrophysique ou qu'on va apprendre de l'informatique, mais par contre, on peut avoir une meilleure idée du point de vue de l'astrophysicien ou du point de vue de l'informaticien, et c'est ça qui nous permet de mieux cerner la façon dont on réfléchit dans d'autres champs, dans d'autres domaines de la science, et c'est ça qui nous permet aussi de grandir en tant que scientifique et d'avancer dans notre parcours universitaire. C'est finalement un peu ce que moi personnellement je cherche dans mes études, c'est plus de grandir d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique, et le DU aide pas mal pour ça.